à tous et à toutes, c'est le Poké. Aujourd'hui, on va jouer à New. J'ai dit New, mais non, c'est Super Mario Bros. Wonder. Il y a tellement de personnages par contre. Mais ça me fait chier, tu vois, j'aimerais bien jouer Yoshi. Mais je peux pas parce que c'est pour les sales merdes. Regardez, c'est écrit en bas à droite. Eh ouais, c'est la nouvelle voix. Ça y est, Mario il a changé de voix. Peut-être qu'un jour il va changer de sexe aussi. Hein. Bienvenue au royaume des fleurs, une contrée proche du royaume champignon. Invité par le prince Florian, Mario et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. Alors... Oh les sound effects, il y a eu qu'un sound effect, le temps du saut, de la charge au sol et tout quoi. Non mais c'est incroyable. Non mais je regarde un peu, hein. On est quand même en face d'un nouveau jeu Mario. Le dernier jeu Mario en 2D en date, c'est cette merde de Mario Maker. On vient faire la fête. Arrête de me parler. Non je sais pas si vous allez entendre mais ma manette fait le bruit et débloque. Bon après il y avait ça aussi sur Wii, sur Mario Galaxy, je me calme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Toads de ce pays? Le bruit de saut, je vais devoir m'y habituer. Hein. Le royaume fleur, c'est ça? Pourquoi on est invité? Ils veulent qu'on rejoigne l'ONU? Ah, c'est lui le prince! Bon, dis rien de raciste, Loïc. Ah, merde. Faut qu'on garde des bonnes relations internationales. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bowser a pris une espèce de grosse fleur Wonder, j'imagine. Et il s'est transformé! Là, il est en train d'attaquer les civils. Me voilà bien embêté! C'est le roi Bowser, n'est-ce pas? Comment ont-ils volé notre fleur prodige et notre beau château? Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose? Ok, donc, c'est un jugement de valeur purement gratuit, ça. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça! Vous avez vu cette horrible chose? C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. Et évidemment, Mario, le gentil, va faire ça parce qu'il est gentil et non pas pour asseoir sa supériorité. Vous allez nous aider, merci! J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord. Tu veux me servir de guide? Tu veux pas déjà défendre ton pays? On compte tous sur toi! Ferme-la, toi, putain! Pleine des tuyaux. Au cas où vous vous demandez, j'ai pas été invité à l'avant-première, moi, bizarrement. Difficulté, une étoile. Oh, c'est maintenant, c'est noté, les niveaux. C'est mon premier Goomba. J'aime cette petite brise. Écoute, j'ai ces discussions avec mon voisin, je trouve ça chiant, c'est pas pour que tu m'en parles aussi. Bien! Tu as tué un être vivant, bravo! Waouh, deux, super! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, ça y est. C'est le temps parfait pour faire la sieste. Oh. Eh ouais, il fera la sieste au paradis. Ah, cinématique. Wow. Bon, pour le moment, c'est le premier niveau, donc évidemment qu'il n'y a aucune difficulté. Pourquoi il brille? Pourquoi j'ai 25,6 pièces? Et je sais pas à quoi ça sert, les pièces comme ça, là. Mais ça me rappelle les bonbons à la violette. Vous savez, je suis diabétique, après. Ok. Graine prodige obtenue. Allez, hop. Premier niveau terminé. Et j'ai sauvé un civil. Parce qu'aucun civil ne mérite de mourir dans quelconque conflit, évidemment. Oh, elles marchent! Elles ont des pieds, maintenant! Mais pourquoi je peux pas les tuer les autres fleurs si j'ai tué une fleur piranha? Oh! Waouh! Une fleur qui marche! C'est quoi la suite? Des fleurs qui parlent? Fleur! En fait, c'est le cannabidol! Mais ils sont complètement défoncés dans le pays des fleurs! Évidemment! C'est ce qu'ils font pousser ces enculés! J'avoue que je ne m'attendais pas à ça! Eh, c'est pas parce que vous chantez que vous allez pas mourir, hein, vous savez? C'est drôle, j'avoue. Si le jeu, c'est que des trucs comme ça, mais je vais m'amuser un peu, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est? Attends, il s'enfuit. Ça veut dire qu'il ressent la peur et que le tuer sera plus jouissif. Ah, c'est un bon jeu. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, des étoiles! C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait la blague. Oui, ils ont pris de la drogue ou quoi? Mais c'est vrai que la fleur Wonder, quand tu la prends, c'est un peu ça, quoi. Oh, ok. Mon cerveau il est tout le temps sollicité. Il n'y a pas un moment de répit. Mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. Bon, j'aurais peut-être jamais de petit frère, mais tranquille. Pavillon à badge de la plaine des tuyaux. Tout va bien? J'ai si peur que j'ai cru que j'allais perdre les pétales. Ah, c'est parce que c'est des fleurs, ça? Comment ça, c'est des fleurs? Eh, je déteste les Toads, mais franchement, je les préfère mille fois à eux. Hein. J'ai pu garder ce précieux badge à l'abri. Ah, il va me donner un badge? Les badges, ce sont des objets aux effets variés dont on peut s'équiper. Ah, je comprends mieux pourquoi ils avaient l'air d'avoir une tête de gland. C'est parce que c'était une fleur qui était pas éclos. Initiation au badge. Ok, donc ça, c'est tous les badges du jeu. Et j'imagine que chaque badge, ça m'offre une action. Là, j'ai le parachapeau, ça me permet de planer un petit peu. Oh, il y a une obésité morbide, il va mourir. Ok. Aïe. Et des fois, ça va un peu vite, tu comprends pas tout. Intermède, cours non-stop, c'est quoi ça? J'ai envie d'essayer. Ok, c'était un niveau un peu épreuve. C'était qui disait que le jeu était plus dur, là? Oh! Oh, je peux le tuer ou pas? Je peux le brûler ou pas? Yes! Waouh! On a eu la même réaction, je vous promets! Oh, mais c'est vraiment moche, ça. Hein. Waouh! Dégueulasse!
Waouh! Putain, j'ai eu la même réaction qu'une fleur alors que je déteste les fleurs. Est-ce que dans un sens, la boucle n'est pas bouclée? Oh! Oh là là là! Je pense qu'elle est morte. Ah, yes. Ok. Je peux aller là-bas ou pas? C'est terrible, ce rocher est tombé à cause de cet affreux Bowser. Je voudrais bien le pulvériser, mais il est beaucoup trop gros. Avec 10 pièces fleurs, je crois que j'y arriverai. Mais comment ça? Tu veux un pot de vin? Espèce d'enculé. Merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais faire son affaire à ce rocher. Il est peut-être têtu, mais moi aussi j'ai une tête de pioche. Mais c'est pas des fleurs? Allez, ok. Donne-toi à fond. Flotte dans les airs. Flotte dans les airs. Continue comme ça. Continue comme ça. N'oublie pas que la drogue, c'est vraiment bien. Koopa et Patin. C'est qui Patin? Oh, moi aussi je veux des patins. Pourquoi j'en ai pas? Si j'en ai pas, personne en aura, j'en ai rien à foutre. Ce qui me détruit le plus quand je joue à ce jeu, c'est que y a tellement d'idées, tellement de choses. Le design est tellement cool que en fait ils ont de quoi faire un Mario Maker 3. Attends, il y a un niveau avec 4 étoiles de difficulté. Cavalcade à dos de Coursératops. C'est le max 4. Oh c'est bon, c'est un jeu pour enfants. Ok, fleur prodige instantanément. Et là ça va être une charge de trucs comme tout à l'heure. D'accord, oui, ça on a déjà vu. Ok. Ouh là là là. D'accord. Ok, ok, je comprends. Je suis mort. Oh là 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 là, je voulais récupérer la pièce 10, mais ça allait trop vite. Quand ils disent que c'est un peu plus dur, ils montent pas. D'accord. Ok. Vite. C'est bon. Putain, mais il y a de l'eau empoisonnée. Oh putain, fais chier. J'ai raté une pièce 10. Vite, vite, vite. C'est dur. Oh non mais putain! En plus j'ai l'impression que c'est des niveaux facultatifs, donc en soi, même si tu trouves ça vraiment trop dur, tant pis, tu gardes pour plus tard, tu vois. Le temps que tu deviennes meilleur, quoi, au jeu. T'arrêtes de chialer, de te plaindre tout le temps de ton échec sur le dos des autres. Aussi, entre autres. Mais bon, on va pas en parler, hein? Ah, putain. Ah, fais chier! Mais putain, mais c'est dur! Ok. Saut d'escalade. Sauter contre une paroi et appuyer sur B pour sauter à nouveau vers le haut. Ah, c'est des wall jump mais en mieux. Tranquille, j'en ai marre. Ça y est, là je suis dans les niveaux de merde avec l'eau empoisonnée qui me one shot. J'ai hâte de voir s'il y a des maisons de boue et tout quand même. Parce que bon, même dans le royaume des fleurs, les gens doivent mourir. Bon, ça me paraît logique. Ne serait-ce qu'au début quand la fleur elle s'est fait écraser par des monstres là. C'est plein de bestioles et toi t'es quoi toi? Personnage. Allez, on va changer de perso. Bon, les Toads, on s'en fout. Je vais jouer un peu Luigi, vas-y. Je pense pas, à part les Yoshi et Carotin, que ça change le gameplay de jouer un autre personnage. Palais de la plaine des tuyaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beaucoup dans le jugement, hein, les fleurs, hein, je trouve. Oh, c'est des Goombas morts. Ah non, ils sont pas morts. Ils avaient juste un chapeau. Bah, attends, ils sont morts. Vous croyez que vous allez m'arrêter? Ce palais est tout plein de la puissance prodigieuse de mon papounet. Vous avez aucune chance de me battre, mais je vais vous laisser essayer. D'accord, donc Luigi vient de frapper un enfant, quoi. Hein? Attends, mais... Pourquoi je suis tout grand et lui, il est tout petit? Il est con. Mais il a le masque de Mario Sunshine, non? Bon, là, maintenant, c'est moi qui suis petit. D'accord. Putain, il y a des petits trèfles à droite à gauche qui font plaisir quand même. De toute façon, faut bien qu'ils fassent ça pour qu'on achète leur jeu. Du coup, j'imagine que j'ai fini le premier monde. Nos héros avaient enfin repris le contrôle du palais. Tenant fermement la graine royale, ils se mirent à poursuivre Bowser, qui avait fusionné avec le château. Pourront-ils empêcher Bowser de mettre à exécution son plan diabolique? Alors bonjour, c'est l'époque du futur. Alors juste un truc, cette vidéo, je vais pas faire le jeu entier. J'ai fini le jeu actuellement quand je vous parle. Pas les mondes les plus difficiles. Honnêtement, quand ils ont annoncé le jeu, j'étais en mode ok, on verra bien. Je me disais qu'un jeu de plateforme, on avait fait le tour. Puis avec Mario Maker, ben tout avait déjà été proposé, tu vois. Et finalement, pas du tout. Il y a un truc nouveau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une leçon de game design. Le jeu est trop bien, ça s'enchaîne à la perfection, on se fait jamais chier. On a l'impression des fois d'être dans une vidéo YouTube jump cut. Bon voilà tout pour la vidéo d'introduction pour Mario Wonder. Il n'y aura pas une vidéo sur le jeu entier, mais il y aura une vidéo sur les niveaux les plus difficiles. Abonnez-vous, likez. Sur ce, gros bisous, portez-vous bien.